Ce sont des dirigeants français qui ont inspiré, préparé, déclenché, soutenu la sécession de la République du Sénégal. Je n'en veux pour preuve que quelques faits. La demande d'ajournement par la France à l'ONU de l'admission de la Fédération du Mali. Le refus systématique de la France, en application des accords franco-maliens, d'apporter son appui pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. Au cœur des bouleversements politiques de l'Afrique postcoloniale, un homme a marqué son époque de ses idéaux et de ses actions. Son nom, Modibo Keïta. Dès ses débuts, il se dresse comme un fervent défenseur du panafricanisme, s'engageant dans un rapprochement audacieux avec l'Union soviétique. Dans un monde en pleine ébullition idéologique, il partage sa vision avec des figures telles que Gamal Abdel Nasser, Kwame Nkrumah, Ahmed Ben Bella et Nehru, chacun portant les espoirs de leur nation sur la scène mondiale. Cependant, l'utopie socialiste de Modibo Keïta se heurte rapidement à la réalité économique. Les politiques mises en place pour transformer le Mali en une société égalitaire et prospère échouent, plongeant le pays dans la pauvreté et ralentissant son développement. En 1962, l'adoption du franc malien provoque une inflation galopante, précipitant de nombreux Maliens dans la misère et nourrissant un profond sentiment de mécontentement et de contestation. Les répressions et difficultés alimentaires qui s'ensuivent rendent le régime de Modibo Keïta encore davantage impopulaire. Il est renversé le 19 novembre 1968 lors d'un coup d'État organisé par les forces armées maliennes et emprisonné à Kidal. Transféré à Bamako, il meurt en détention le 16 mai 1977. Dans ce documentaire, nous explorerons la vie de Modibo Keïta, un homme qui, malgré ses aspirations nobles, a été emporté par les tourments de l'histoire de l'Afrique moderne. Dans la rue de Bamako Koura, quartier animé de la capitale du Soudan français, actuel Mali, naissait le 4 juin 1915 un garçon qui allait marquer l'histoire de son pays, Modibo Keïta. Fils de Daba et Fatoumata Camara, il venait au monde au sein d'une famille malinké, imprégnée des traditions et des aspirations de sa communauté. Dès son jeune âge, Modibo montra des signes de détermination et de curiosité intellectuelle. Entre 1925 et 1931, il fréquenta l'école primaire de Bamako, jetant les bases de son éducation. Mais c'est à l'école primaire supérieure Terrasson de Fougères, rebaptisée aujourd'hui lycée Askia Mohamed, qu'il approfondit ses connaissances dès 1931. Sa soif d'apprendre le conduisit ensuite à l'école normale d'instituteurs, l'école William Pointy de Gorée à Dakar en 1934. C'est là que l'empreinte de Modibo Keïta commença à se dessiner. Ses enseignants le remarquèrent rapidement, louant ses capacités intellectuelles tout en notant son engagement politique naissant. Modibo se distinguait non seulement par ses résultats académiques exceptionnels, mais aussi par son activisme contre l'occupation française, un mouvement qui gagnait du terrain dans les cercles intellectuels de l'époque. En 1936, Modibo Keïta sortit major de sa promotion, portant haut les couleurs de son héritage malinké et de son engagement pour la liberté de son peuple. Fort de son diplôme d'instituteur, il commença sa carrière dans l'éducation, enseignant d'abord en région rurale, puis dans les villes comme Bamako, Sikasso et Tombouctou. L'année 1939 marqua un tournant décisif dans la vie de Modibo. Il épousa Mariam Traoré, une femme qui allait devenir sa compagne de vie et sa partenaire dans toutes ses luttes à venir. Cette union, bien plus qu'une simple alliance, symbolisait l'engagement indéfectible de Modibo envers sa cause et envers son peuple. Après les ravages de la Seconde Guerre mondiale,
une nouvelle ère de bouleversements politiques et sociaux s'ouvrit pour Modibo Keïta. Animé par une vision de changement et de justice, il devint l'un des architectes de la renaissance politique de son pays. En 1946, il fut l'un des cofondateurs et le secrétaire général de l'Union soudanaise, rejoignant par la suite le Rassemblement démocratique africain RDA. Mais son activisme politique ne passa pas inaperçu aux yeux du régime colonial français, qui le considéra rapidement comme une menace. En 1946, Modibo fut interné pour sa lutte contre l'oppression coloniale, témoignant de son dévouement sans faille à la cause de son peuple. Malgré ses épreuves, son engagement politique ne faiblit pas. En 1948, il fut élu conseiller général du Soudan français, représentant fièrement la circonscription de Bamako Kita. Cette victoire marqua le début d'une ascension politique remarquable. En 1953, Modibo Keïta franchit une nouvelle étape en étant élu conseiller de l'Union française, une reconnaissance de son leadership éclairé et de son engagement envers les idéaux démocratiques. Mais c'est en 1956 que son influence politique atteignit de nouveaux sommets. Il devint maire de Bamako, la capitale dynamique du Mali naissant, et fut élu député à l'Assemblée nationale française. Sa voix résonnait désormais au cœur même du pouvoir politique français. Cette période fut marquée par des nominations prestigieuses au sein des gouvernements de la 4e République française. D'abord en tant que secrétaire d'État à la France d'Outre-mer dans le gouvernement de Maurice Bourgès Mounouri, puis en tant que secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le gouvernement de Félix Gaillard. Ces postes de responsabilité lui offrirent une plateforme pour défendre les intérêts de l'Afrique et pour promouvoir ses idéaux de liberté et de justice. En 1957, son parti remporte une victoire écrasante aux élections et il est élu l'année suivante président de l'Assemblée constituante de la Fédération du Mali, qui regroupe le Soudan français, le Sénégal, la Haute-Volta et le Dahomey. Ces deux derniers pays quitteront rapidement la Fédération. Le 20 juin 1960, Modibo Keïta se retrouve propulsé au sommet du pouvoir en tant que chef du gouvernement et de la Fédération du Mali, une union qui réunit le Soudan français et le Sénégal. Cependant, cette alliance fut de courte durée et le 22 septembre 1960, elle vola en éclats. Dans ce tumulte politique, Modibo Keïta saisit l'opportunité de proclamer l'indépendance du Soudan français, baptisée désormais la République du Mali. Sous sa direction, le pays embrassa résolument le chemin de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Déterminé à façonner l'avenir de sa nation, Modibo Keïta opta pour une politique alignée sur le modèle soviétique, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire du Mali. En tant que socialiste convaincu, il entreprit de transformer progressivement l'économie malienne vers une socialisation plus prononcée. En octobre 1960, il créa la Société malienne d'importation et d'exportation, SOMIEX, chargée du monopole de l'exportation des produits maliens et de l'importation des biens manufacturés et des produits alimentaires essentiels tels que le sucre, le thé et le lait en poudre. Cette initiative ambitieuse visait à consolider l'autonomie économique du Mali et à favoriser une distribution équitable des richesses nationales. Cependant, cette politique audacieuse ne tarda pas à rencontrer des obstacles majeurs. La création du franc CFA en 1962 et les difficultés d'approvisionnement qui s'ensuivirent déclenchèrent une inflation galopante, plongea une partie de la population dans la précarité et l'incertitude. Les paysans et les commerçants en particulier ressentirent l'impact de ces mesures économiques, nourrissant un profond sentiment de mécontentement et de frustration au sein de la société malienne. Sur le plan politique, Modibo Keïta fait rapidement incarcérer ses opposants comme Fili Dabo Sissoko et Amadou Ndiko, anciens députés représentant le Soudan à l'Assemblée nationale française. À partir de 1967, il déclenche la révolution active et suspend la constitution en créant le Comité national de défense et de révolution CNDR. Les exactions des milices populaires et la dévaluation du franc malien en 1967 amènent un mécontentement général. Les autorités tentent aussi d'introduire des politiques de lutte contre l'esclavage persistant dans certaines régions du pays malgré l'interdiction officielle. Le 19 novembre 1968, le Mali sombre dans les ténèbres de la dictature militaire. Lorsque le lieutenant Moussa Traoré orchestre un coup d'État implacable en renversant le président Modibo Keïta.
Dans le sillage de ce coup de force, Modibo Keïta est emprisonné à Kidal, plongeant ainsi le pays dans une ère sombre et incertaine. Pendant 9 longues années, de 1968 à 1977, le Mali est gouverné par le Comité militaire de libération nationale, CMLN, imposant un règne de fer et de répression à la population malienne. Les espoirs de démocratie et de progrès semblent s'évanouir alors que le pays est enserré dans les griffes de l'autoritarisme militaire. Pour Modibo Keïta, cet internement signifie la fin tragique d'une vie consacrée à la lutte pour la liberté et la justice. Le 16 mai 1977, dans des circonstances suspectes, il rend son dernier souffle à l'âge de 61 ans, détenu dans une prison de Bamako. Les autorités soucieuses de dissimuler la vérité annoncent son décès comme étant dû à un œdème aigu des poumons, masquant ainsi les possibles actes de violence et de négligence qui ont précipité sa mort. Malgré les efforts des autorités pour étouffer toute contestation, les funérailles de Modibo Keïta au cimetière d'Amdalaï deviennent le théâtre de manifestations massives, symbole de la détermination du peuple malien à ne pas oublier ni pardonner les injustices subies. Mais même dans le deuil, la répression continue alors que les services de sécurité, sous la direction de Tchékoro Bakayoko, répriment violemment toute velléité de protestation. Le président Moussa Traoré est obligé d'intervenir à la radio Mali pour donner une version officielle du décès de Modibo Keïta qui ne convainc personne. Modibo Keïta est réhabilité en 1992 à la chute du régime de Moussa Traoré par le président Alpha Omar Konaré. Le mémorial Modibo Keïta est inauguré à Bamako le 6 juin 1999. Son épouse, Mariam Keïta, est décédée en 2014 à 94 ans. En janvier 2016, l'aéroport international de Bamako-Senou est rebaptisé Aéroport international Modibo Keïta. Ainsi s'achève le chapitre tragique de la vie de Modibo Keïta, une figure emblématique de la lutte pour la liberté et la dignité au Mali, dont le sacrifice reste gravé dans la mémoire collective de son peuple. Merci et à Du côté de l'opposition, il l'a été très tôt. Étudiant militant, emprisonné, professeur syndiqué, fondateur du parti FPI. Mais la France a tort. J'ai dit que la France a tort. Que répondez-vous au chef de l'État français ? C'est inacceptable. Le 11 avril 2011, 6 mois après sa défaite, lors d'une élection supervisée par les Nations Unies, Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, a été expulsé de son banquier présidentiel par une alliance de soldats rebelles soutenue par l'armée française et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a été battu lors du second tour de scrutin entre lui et le candidat de l'opposition, Alassane Ouattara. Mais Gbagbo a refusé de s'avouer vaincu et de quitter son poste. Des violents affrontements ont éclaté entre les partisans des deux candidats et des violations massives des droits de l'homme ont été commises dans ce contexte. La Côte d'Ivoire était dès lors au bord de la guerre civile. Dans cet épisode, nous allons couvrir l'ascension et la suite de Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire qui a refusé de céder le pouvoir. Laurent Gbagbo est né dans une famille catholique dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire le 30 mai 1945. C'était un peu plus de 15 ans avant que la nation ivoirienne gagne son indépendance. À cette époque, la Côte d'Ivoire était encore le joyau de la couronne française des colonies d'Afrique de l'Ouest. Son peuple était officiellement des sujets français. Le français est devenu la langue officielle et la capitale commerciale Abidjan a acquis la renommée de Paris de l'Afrique. En juin 1965, Laurent Gbagbo a obtenu son diplôme d'études secondaires du collège traditionnel d'Abidjan. Après avoir terminé sa première année à l'université d'Abidjan, Gbagbo a décroché une bourse pour l'université de Lyon, en France, pour étudier le latin grec et le français. Il n'a pas pourtant emprunté ce chemin. Il est resté en Côte d'Ivoire pour terminer ses études de premier cycle à l'université d'Abidjan, obtenant un diplôme en histoire en 1969. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo est apparu comme une voix de premier plan de la résistance et s'est profondément impliqué dans les activités politiques de son pays. Depuis qu'elle a obtenu son indépendance de la France, la Côte d'Ivoire était dirigée par le président Félix Houphouët-Boigny qui régnait sous un système politique essentiellement à parti unique. Le jeune Laurent Gbagbo a dénoncé cette indépendance partielle enregistrée par son pays et a exigé que la véritable indépendance, y compris économique, soit mise en œuvre démocratiquement. En conséquence, Gbagbo a été arrêté pour ses activités d'organisation politique en 1969.
Après avoir passé 2 semaines en prison, Laurent Gbagbo est parti en France et a terminé des études en art et histoire à l'Université de Paris en 1970. La même année, il retourne en Côte d'Ivoire pour enseigner l'histoire et la géographie à l'Université d'Abidjan. En l'espace d'un an, Laurent Gbagbo se retrouve à nouveau en difficulté pour avoir participé à des syndicats d'enseignants et à des publications que le gouvernement a jugées subversives. Par conséquent, Laurent Gbagbo a été arrêté le 31 mars 1971 et a été emprisonné sans procès au camp militaire de Séguéla. Après sa libération en janvier 1974, Laurent Gbagbo a brièvement travaillé pour le ministère de l'Éducation la même année. Laurent Gbagbo est devenu chercheur pour l'Institut d'Histoire, des Arts et d'Archéologie à l'Université d'Abidjan. En 1977, Laurent Gbagbo a pris une pause de sa responsabilité dans cette institution pour terminer ses études doctorales à l'Université de Paris-Sorbonne. Après avoir soutenu avec succès sa thèse de doctorat, il a obtenu son doctorat en juin 1979. De retour à ses fonctions à l'Institut d'Histoire et des Arts, Gbagbo a été nommé directeur de l'Institut en 1980, poste qu'il a occupé pendant 2 ans. Au cours de son mandat à l'Institut, la réputation de dissident de Laurent Gbagbo a continué de croître. Laurent Gbagbo a rejoint le mouvement syndical et est devenu un critique sévère du président Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo a continué à être très critique à l'égard du système essentiellement à partie unique de son pays qui avait concentré le pouvoir politique entre les mains de Félix. En 1982, Laurent Gbagbo a commencé son organisation d'infiltration du Front populaire ivoirien. Il a également publié et distribué secrètement un discours qui critiquait le gouvernement. Ce discours appelait à un système multipartite. Toutes ces activités par Laurent Gbagbo a rendu furieux le président Houphouët-Boigny. À cause de l'augmentation sous contrôle gouvernemental, Laurent Gbagbo s'est exilé volontairement en France en 1982. Il a continué à s'organiser depuis l'étranger et en 1983 a conçu son plan de réforme. Il a obtenu l'asile politique de la France en 1985. Cependant, l'année suivante, le nouveau premier ministre François-Jacques Chirac, mécontent des activités socialistes de Gbagbo en France, a fait pression sur lui pour qu'il quitte la France. Dans la semaine qui a suivi, Gbagbo a été renvoyé en Côte d'Ivoire. Son parti, FPI, a tenu un congrès inaugural et l'a élu secrétaire général du parti. Malgré les intimidations des membres du Parti démocratique d'Houphouët-Boigny, le FPI de Gbagbo a tenu un autre congrès en 1989. Finalement, en avril 1990, Félix Houphouët-Boigny a succombé à la pression extérieure de la communauté internationale et a annoncé que le multipartisme des élections auront lieu pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et se présentant ainsi comme le défenseur des opprimés, Laurent Gbagbo avait Félix Boigny comme seul adversaire sur le bulletin de vote. Malheureusement, Gbagbo a été vaincu de manière retentissante, gagnant qu'un peu plus de 18% des voix par rapport à Houphouët-Boigny. Gbagbo a déclaré que l'élection était truquée et la Cour suprême a refusé d'examiner leur demande de nouvelle élection. Laurent Gbagbo et 8 autres membres du FPI ont cependant réussi à gagner des têtes à l'Assemblée nationale. Après les années 1980, la Côte d'Ivoire était considérée comme le pays le plus économiquement stable de l'Afrique de l'Ouest. Ses gains de développement reposaient sur l'exportation de cacao et de café. Le président Félix Houphouët-Boigny s'est fortement appuyé sur la main-d'œuvre immigrée des pays voisins pour aider à développer la Côte d'Ivoire, leur offrant toutes sortes d'incitations économiques, y compris la terre, jusqu'en 1990. Ces immigrants n'avaient pas besoin de permis de séjour et ils jouissaient du droit de vote. Mais la chute des prix du marché routier pour les cocos dans les années 1990 plonge le pays dans une crise profonde. Le prix du pétrole est monté en flèche, entraînant des troubles civils et des émeutes d'étudiants. En 1991, des manifestations à grande échelle ont éclaté dans la communauté universitaire à cause de la baisse des salaires. Ces manifestations ont été traitées brutalement par les forces de sécurité. Et plus tard, le chef d'état-major de l'armée de Boigny, le général Robert Gueye, a fait l'objet d'une enquête pour avoir autorisé la brutalité. Lorsque le président Félix Houphouët-Boigny a publiquement soutenu le général Gueye, déclarant que la force brutale employée contre les manifestants était nécessaire. Plus de 20 000 manifestations descendues dans la rue et ils ont été menées par Laurent Gbagbo. 3 jours plus tard, Laurent Gbagbo a été arrêté en vertu d'une loi qui prévoyait que les meneurs de troubles publics pouvaient être tenus personnellement responsables. À la suite de cela, Laurent Gbagbo a été condamné à 2 ans de prison. Mais après 4 mois, le président déclara l'amnistie pour toutes les personnes impliquées. Laurent Gbagbo a été libéré le 31 juillet 1992.
Le 7 décembre 1993, le président Félix Houphouët-Boigny est mort d'un cancer de la prostate. Il est remplacé par Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara comme premier ministre. Par la suite, le nouveau président Henri Konan Bédié a agi rapidement pour neutraliser Alassane qu'il voyait comme un potentiel adversaire en introduisant une législation exigeant que tous les candidats à la présidence soient d'origine ivoirienne pure. Le président Bédié a renforcé cette décision en promouvant le concept de l'ivoirité. Ce concept n'a pas seulement exclu les élites de se présenter aux élections, bien qu'il ait été également redéfini, la citoyenneté et la nationalité plus largement pour les Ivoiriens ordinaires, à l'exclusion de ceux qui étaient étiquetés comme étant de la baie de Burkina Faso ou d'ascendance mandingue, principalement des populations de la partie du nord du pays. Ce principe de variété a redéfini l'éligibilité à participer à la politique ivoirienne, limitant la participation à ceux qui étaient vraiment de la Côte d'Ivoire. Alors que le président Bédié affirme que le concept d'ivoirité visait uniquement à créer un sentiment d'unité culturelle parmi le peuple de la Côte d'Ivoire, en réalité, il a adopté comme justification pour garder Alassane Ouattara et son parti hors de la politique. Alassane Ouattara vivait aux États-Unis et dont le père était du Burkina Faso n'a pas réussi à se qualifier selon les nouvelles règles. En raison des nombreuses irrégularités électorales attribuées au président Henri Bédié, les partis de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont boycotté l'élection présidentielle d'octobre 1995. Les situations ont commencé à changer. L'économie du pays étant un modèle pour l'Afrique s'est dissoute. Le mécontentement restait élevé dans la communauté universitaire et augmentait rapidement parmi les rangs militaires, surmenés et sous-pays. Cette stagnation économique et la poursuite de la politique identitaire par Henri Konan Bédié ont abouti à un coup d'État en 1999, dirigé par le général Robert Guéï, qui a promis de nouvelles élections dans les 6 mois à venir. Il arrache le pouvoir aux héritiers corrompus de l'ancien président Houphouët-Boigny. Il libère des opposants et s'engage à rendre le pouvoir une fois passé, je cite, un bon coup de balai. Henri Bédié et sa famille ont été contraints de fuir, bien que le général Robert Guéï ait promis des élections multipartites auxquelles il sera candidat. Il a confirmé la disqualification d'Alassane Ouattara sur la base du principe d'ivoirité. À la suite de l'exclusion d'Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo était de nouveau le seul candidat de l'opposition sur le bulletin de vote. Lorsque les résultats des élections anticipées indiquaient Laurent Gbagbo étant la gagnante potentielle, le général Guéï a rapidement dissous la commission électorale et a ordonné à un fonctionnaire du gouvernement de l'intérieur de le déclarer gagnant des élections. Cette annonce a secoué le pays et des dizaines de milliers de personnes ont immédiatement envahi les rues d'Abidjan en signe de protestation. Alors que la violence se poursuivait au cours des jours suivants, la police parlementaire a fait défection pour rejoindre les manifestants, suivis par une partie des forces militaires. Finalement, le général Robert Guéï a été forcé de fuir et Laurent Gbagbo se proclama président. Il fut investi le 26 octobre 2000, mais ce n'était pas la fin des troubles de la Côte d'Ivoire. Les hommes de Alassane Ouattara exigeaient que leur homme qui avait été systématiquement exclu de la politique ait aussi une chance. Le parti d'Alassane Ouattara a immédiatement appelé à de nouvelles élections afin qu'il puisse être inscrit sur le bulletin de vote. La plupart de la communauté internationale a accepté, y compris les Nations Unies, l'Afrique du Sud et la plupart des pays occidentaux. Néanmoins, Laurent Gbagbo a affirmé qu'il était correctement élu en vertu de la constitution qui avait été approuvée par le peuple ivoirien. À la suite de quoi, les musulmans en colère sont à nouveau descendus dans la rue, cette fois pour s'opposer au FPI de Gbagbo. Des foules de plus de 300 personnes ont été tuées dans les violences qui ont suivi. Avec cet événement tragique, les graines de la guerre civile entre le nord et le sud musulman et chrétien a éclaté. Lorsqu'il a été élu président en 2000, Laurent Gbagbo continuera d'utiliser le concept de rédaction de l'ivoirité pour le sien. Les objectifs politiques sont cependant l'exclusion de Ouattara et son parti de la vie politique. Son élan a fracturé la structure politique du pays et a divisé la Côte d'Ivoire entre le nord et le sud, selon les critères ethniques et religieux. Le nouveau président Gbagbo a adopté une position dure contre les nordistes en les excluant de son gouvernement. Une décision qui a encore aggravé les divisions nord-sud dans le pays. Cela a incité des éléments mécontents de l'armée à tenter un coup d'État. Infructueux en janvier 2001. Le 19 septembre 2002, Laurent Gbagbo était en France. Des troupes mutins sont descendues dans les rues de 3 villes. C'est parce que Laurent Gbagbo a tenté de démobiliser 2 contingents de l'armée ivoirienne recrutés pendant le court séjour du général Guéï dans le but de les remplacer par des nouveaux. Les recrues fidèles à Gbagbo, au moins 270 personnes sont mortes dans le conflit initial et aussi le général Guéï. Les forces loyalistes ont pu reprendre le contrôle d'Abidjan avant le 25 septembre 2002. Les forces rebelles ont rapidement pris le contrôle de la zone nord du pays.
À la fin septembre, la Côte d'Ivoire était en pleine guerre civile avec les forces rebelles. Ces forces rebelles s'appelaient les forces romanes. Les forces rebelles gagnaient du terrain vers le sud lorsque la France est intervenue en envoyant des forces de maintien de paix. Cette intervention de la France a plongé le conflit dans une impasse virtuelle. L'armée ivoirienne a continuellement essayé de prendre le contrôle de la partie nord du pays et en novembre 2004, ils ont lancé une offensive pour reprendre cette partie du pays. Le président français Jacques Chirac a tenté en vain de dissuader Laurent Gbagbo d'intervenir et dans l'opération qui a suivi, l'armée ivoirienne a bombardé les forces françaises de la maintien de paix dans le bastion des rebelles du nord et de Boaké le 6 novembre 2004. Le gouvernement a déclaré que cette attaque contre les forces françaises n'était pas intentionnelle. Mais les Français ont insisté sur le fait que l'attaque avait été délibérée. L'armée française a riposté et neutralisé l'armée de l'air ivoirienne et les tensions étaient élevées dans Abidjan où les Ivoiriens étaient fidèles à Laurent Gbagbo. L'opération de Laurent Gbagbo pour reprendre le nord du pays était un échec épique. Mais Laurent Gbagbo s'est présenté comme le héros de l'Afrique qui avait tenu tête à la France. À son époque au pouvoir, chaque fois qu'il rencontrait des difficultés, Laurent Gbagbo blâmait les Français en général ou leur président particulier, Jacques Chirac, puis plus tard le président français Nicolas Sarkozy. Laurent Gbagbo les blâmait continuellement pour les problèmes auxquels son pays était confronté. Et quand il s'agit des pays francophones d'Afrique noire, quand la France parle, tous les autres suivent. Elle s'ingère, mais de la plus mauvaise manière. Toutes les résolutions qui ont lieu sur la Côte d'Ivoire à l'ONU, c'est la France qui écrit le draft. Entre-temps, Laurent Gbagbo a décidé de ne pas tenir de nouvelles élections en 2005 lorsque son poste de président a pris fin en disant que le pays n'était pas encore prêt. La Côte d'Ivoire est également restée dans un état de crise avec la division nord et sud de plus en plus forte. Pour remédier à cette crise, des initiatives de paix ont été adoptées, mais n'a finalement pas réussi à résoudre le conflit. En 2007, un accord de paix réussi a été signé à Ouagadougou au Burkina Faso. En vertu de cet accord de paix, Guillaume Soro, nord-est, et chef des Romanes, a été nommé premier ministre tandis que Laurent Gbagbo a conservé la présidence. Cet accord, connu sous le nom de tribunal de Ouagadougou, stipulait la réforme de l'identification des nationalités controversées. Un système jugé discriminatoire à l'égard des nord-est, considérés comme des immigrés et non des Ivoiriens. Mais le processus en Côte d'Ivoire était resté bloqué. L'élection présidentielle a été reportée plus de 6 fois avant d'être finalement tenue en 2010. Alassane Ouattara a été autorisé pour se présenter à ces élections. Les élections qui se sont tenues en 2010 étaient censées remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la démocratie. Lors de ces élections, Laurent Gbagbo était en tête au premier tour de scrutin avec 38% des voix contre 32% pour Alassane Ouattara. Le reste des votes est allé à d'autres candidats dont l'ancien président Henri Bédié. Parce que personne n'a remporté la majorité absolue, les deux meilleurs candidats ont été contrés à un second tour et tous les partis opposés se sont ralliés à Ouattara. La commission électorale indépendante a déclaré Alassane Ouattara vainqueur du second tour avec 54% des voix. Mais ces résultats ont été immédiatement rejetés par le conseil constitutionnel qui était dirigé par un juge fidèle à Laurent Gbagbo. Le conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur avec 51% des voix. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, chacun soutenu par différents organes électoraux, ont prêté serment au poste de président ivoirien. Le pays avait maintenant 2 présidents. Au moment où s'organisait la cérémonie d'investiture de Laurent Gbagbo, les partisans d'Alassane Ouattara sont entrés dans Abidjan et ont commencé à manifester leur opposition. Ils ont créé des barricades en bois dans la rue d'Abidjan. Pendant 5 mois, le pays a eu 2 présidents, chacun revendiquant la légitimité. La lutte entre les 2 camps a dégénéré en violence. Plus de 3000 personnes ont été tuées et environ 1 million ont été déplacées par la violence vers d'autres parties du pays voisin. La Côte d'Ivoire était de nouveau au bord de la guerre civile. Mais Laurent Gbagbo est resté provocant et a accusé les Français d'être les maîtres derrière le chaos. Cette impasse a rapidement pris fin après que le combat ait fait rage pendant de nombreux jours. Des soldats fidèles à Alassane Ouattara, appuyés par l'armée française ainsi que les forces avancées des Nations Unies, ont arrêté Laurent Gbagbo dans la résidence présidentielle, entouré de sa femme Simone et son fils Michel et une poignée de loyalistes. Après avoir été capturé, Laurent Gbagbo a d'abord été amené au quartier général de Alassane Ouattara, puis dans le nord du pays. Laurent Gbagbo a vécu en résidence surveillée pendant 8 mois avant d'être transféré à la CPI. Alassane Ouattara a été nommé président le 20 mai 2011. Laurent a été jugé à la CPI pour meurtre, viol, violence sexuelle et persécution entre autres crimes contre l'humanité. Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI en 2019 de ses accusations de crimes de guerre. Alassane Ouattara a également gracié Laurent Gbagbo et lui a permis de revenir en Côte d'Ivoire pour cause de réconciliation et de paix. Ainsi prend fin notre documentaire. Merci et à la prochaine.
En juillet 1994, un groupe d'officiers militaires ambitieux orchestre un coup d'état discret en Gambie, motivé par les allégations de corruption et la mauvaise gestion du président Daouda Jawara. Au centre de ce mouvement émerge un jeune capitaine, Yahya Jammeh, dont la prise de contrôle de la petite nation ouest-africaine à l'âge de 29 ans marque le début d'une ère complexe et controversée. Les leaders militaires promettant un retour à un gouvernement civil après l'éradication de la corruption gouvernent temporairement par proclamation. Mais qui est réellement Yahya Jammeh, cet individu charismatique qui transforme la Gambie selon ses propres desseins? La période initiale de son règne est marquée par la répression de la dissidence et l'interdiction totale de l'activité politique jusqu'en août 1996. Cherchant à consolider son pouvoir, Yahya Jammeh fonde l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction en 1996, organise des élections présidentielles et s'installe en tant que président du pays. Dans cette vidéo, nous allons explorer son ascension au pouvoir, son autoritarisme perçu par certains comme dictatorial et sa proclamation de l'islam comme religion d'État en 2015, transformant ainsi la Gambie en une république islamique. Mais Yahya Jammeh reste un personnage énigmatique avec des facettes paradoxales. Alors que certains le considèrent comme un guérisseur, prétendant pouvoir traiter l'infertilité et le VIH, d'autres le voient comme un autocrate impitoyable. Notre enquête plonge dans les méandres de l'histoire de cet homme excentrique, avide de pouvoir qui a résisté à quitter la présidence en Gambie après avoir perdu les élections présidentielles. La Gambie est un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest avec au moins 10 groupes ethniques différents. Le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1965. Après l'indépendance, Daouda Jawara a été nommé le premier ministre. Il a ensuite été élu président de ce pays en 1970. Le pays a atteint un point d'ébullition en juin 1994 lorsqu'un groupe de jeunes officiers militaires gambiens a renversé le régime pour des raisons de salaire impayé de l'armée et la montée de la corruption. Le chef de ce groupe était Yahya Jammeh, alors commandant de la police militaire. Yahya Jammeh est né le 25 mai 1965 à Kanilé, dans un village de Gambie, 3 mois après que le pays ait obtenu son indépendance des Britanniques. Yahya Jammeh a rejoint l'armée nationale gambienne en 1984 et a été nommé sous-lieutenant en 1989. En août 1992, il est devenu commandant de la police militaire de la caserne de Yundun, une petite ville de Gambie, au sud de la capitale Banjul. Il a ensuite reçu une formation militaire approfondie au Sénégal voisin et une formation de police militaire à l'Alabama aux États-Unis d'Amérique. L'accession au pouvoir a commencé en juillet 1994 lorsque Yahya Jammeh et un groupe de jeunes officiers de l'armée nationale ont pris le pouvoir lors d'un coup d'état militaire. Le président déchu, Daouda Jawara, s'est enfui dans un navire de guerre américain. Les militaires ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Ce groupe de militaires s'est identifié comme le conseil de direction provisoire du pays, avec Yahya Jammeh à sa tête. Puis après avoir pris le pouvoir, ce conseil a suspendu la constitution, fermé les frontières du pays et instauré un couvre-feu à l'échelle nationale. Le nouveau homme fort Yahya Jammeh a promis un retour rapide à un régime civil et un engagement à donner suite au projet visant à tenir certains problèmes. En cette même année de prise de pouvoir, en 1994, Yahya Jammeh a fondé l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, son parti politique. Au cours de la seconde moitié des années 1990, Yahya Jammeh et son groupe ont cherché à établir leur légitimité aux yeux de la communauté internationale. Des élections ont été organisées en 1996 et Yahya Jammeh s'est rapidement promu dans les rangs des forces armées. Il a ensuite pris sa retraite de l'armée afin de se présenter en tant que candidat civil. Une nouvelle constitution a été rédigée et mise en place en 1996. Après les élections de 1996, Yahya Jammeh a été élu président de justesse lors d'élections nationales que les observateurs ont déclarées ni libres ni équitables. Mais Yahya Jammeh a commencé à tenir certaines de ses premières promesses de transformer le pays. Il a inauguré la construction d'un nouvel hôpital, le premier depuis l'indépendance, et un nouveau aéroport international. Une nouvelle chaîne de télévision nationale a également vu le jour. Il a également mis en œuvre des actions d'amélioration des télécommunications, réparé de nombreuses routes de Gambie, de nombreuses écoles ont été construites en 26 mois. Le gouvernement de Yahya Jammeh a également cultivé des relations avec la Libye, le Cuba et l'Iran, des pays considérés comme des parias de la communauté internationale. La Libye aurait fourni une aide militaire au régime de Yahya Jammeh. Il y avait également des informations non confirmées selon lesquelles le régime était impliqué dans des activités illégales.
Le 21 mars 2006, il y a eu une tentative de coup d'état contre Yahya Jammeh qui a été rapidement écrasée. Alors que Yahya Jammeh était en visite en Mauritanie, le chef d'état-major a tenté de prendre le pouvoir. Lorsque le coup d'état a échoué, ce dernier s'est enfui au Sénégal avec d'autres conspirateurs, dont la plupart ont été arrêtés et jugés pour trahison. Après cette tentative de coup d'état de 2006, Yahya Jammeh est devenu encore plus résolu dans ses stratégies d'oppression contre la population gambienne. Des gens ont été emprisonnés sans procès. Il y a eu des allégations d'exécution extrajudiciaire et des journalistes ont disparu sans laisser de traces. Le régime de Yahya Jammeh est devenu de plus en plus autoritaire et en 1998, la corruption qu'il avait décidé d'éliminer devenait maintenant évidente dans sa propre administration. Ses acolytes ont commencé à piller les ressources de l'État et une partie du pillage a été mise à nu par le projet OCCRP ou encore projet de reporting sur le crime organisé et de la corruption. Cette organisation avait divulgué des milliers de documents qui détaillent comment le gouvernement Yahya Jammeh a détourné les fonds du pays pendant 22 ans. Il apparaît que des départements du gouvernement ont ouvert des comptes privés à la banque centrale et construit un réseau de favoritisme tout en dirigeant le pays dans la peur et la violence. Au total, on dit que Yahya Jammeh et ses alliés ont pillé ou détourné au moins 975 millions de dollars et selon leur rapport, l'argent a été obtenu auprès des entités suivantes. Environ 360 millions de dollars ont été obtenus auprès de la société de télécommunications gérée par l'État. 325 millions de dollars supplémentaires ont été obtenus grâce aux revenus illicites du bois et des associés ont pillé 55 millions de dollars de la compagnie pétrolière d'État. Le président Yahya Jammeh s'était construit un somptueux domaine privé dans son village natal, Kanili. Les fonds pillés ont également soutenu le style de vie du président Yahya Jammeh. Il a également dépensé son argent dans d'autres manières, destinées à montrer qu'il était un dirigeant bienveillant et généreux, mais pas généralement d'une manière qui profite aux Gambiens ordinaires. Par exemple, en 2010, Yahya Jammeh a organisé un concert en hommage à Michael Jackson après la mort du superstar de la pop. Yahya Jammeh n'a pas atteint cet état de kleptocratie tout seul. Il disposait d'un réseau étroit de conseillers et d'agents d'exécution qu'il affectait à des postes clés et se déplaçait à volonté. Le bras droit de Yahya Jammeh, le général Souleymane Badji, a été identifié comme son principal exécutant, à la fois dans le paysage politique et dans le monde des affaires. Le général a assuré la protection des opérations de contrebande de bois. Le secrétaire général du bureau du président, Noah Touré, était un intermédiaire crucial entre le bureau de Yahya Jammeh et divers départements gouvernementaux. Selon le projet de reporting sur le crime organisé et la corruption, il y avait des documents contenant des directives dont Noah Touré avait signé et autorisant la saisie des comptes bancaires et le limogeage d'agents publics qui remettaient en question les ordres de Yahya Jammeh. Yahya Jammeh favorisait les fonctionnaires partageant sa prospérité, mais il était également vulnérable à ses sautes d'humeur et à son affinité pour la violence et la punition. Beaucoup de fonctionnaires qui ont perdu leur faveur se sont retrouvés incarcérés aux côtés des journalistes, de militants politiques et de militants des droits de l'homme. Toutes ces actions de Yahya Jammeh et de sa compagnie n'ont pas contribué à résoudre le problème et les besoins de la Gambie, un pays pauvre avec des soins de santé médiocres et peu de services de base. Selon la Banque mondiale, la dette extérieure du pays à la fin de l'année 2017 était d'environ 490 millions de dollars. L'une des idées les plus étranges conçues par Yahya Jammeh était ce programme dans lequel son régime obligeait des milliers de personnes séropositives à suivre un traitement avec la concoction d'herbes qu'il avait lui-même inventée. Il aurait annoncé avoir reçu un mandat de Dieu pour créer un remède à base de plantes contre le sida à partir d'herbes trouvées dans le Coran. Il a affirmé éradiquer le VIH du corps en seulement 3 jours. Yahya Jammeh a créé un programme de traitement alternatif pour distribuer son remède frauduleux contre le VIH. Le programme a fonctionné de 2007 à 2016, lorsque Yahya Jammeh a été exclu du pouvoir. Il a refusé que son remède soit soumis à des tests scientifiques d'efficacité et de sécurité. Des échantillons de sang de ses premiers patients ont été envoyés dans un laboratoire au Sénégal pour prouver que son traitement a fonctionné. Bien que les résultats ne montrent que le nombre de CD4 des patients, Yahya Jammeh a soutenu que les niveaux de CD4 étaient une preuve d'efficacité.
Mais les responsables de l'université sénégalaise qui avaient effectué les tests ont refuté l'affirmation de Yaya Jammeh en expliquant qu'aucune conclusion sur l'efficacité de son traitement à base de plantes n'avait été tirée. Ils ont fait remarquer, et je cite, qu'il est malhonnête de la part du gouvernement gambien d'utiliser nos résultats de cette manière. Yaya Jammeh a annoncé pour la première fois que cette concoction était destinée à guérir le VIH et le sida. Mais il a ensuite affirmé que cela pouvait guérir le diabète, l'infertilité et le cancer, de sorte que le premier groupe de patients ayant bizarrement suivi son programme de traitement étaient des personnes probablement contraintes à le faire. En violation du droit à la vie privée et de la confidentialité des patients, les noms des visages, les taux de CD4 et les charges virales des patients ont été publiés sur un site web officiel faisant la promotion et fournissant des informations sur le programme. Le véritable impact de ce programme sur la vie des patients atteints du VIH-SIDA n'ont pas été évalués depuis la dissolution du programme. Comme nous le savons, tout a une fin et pour Yaya Jammeh, cela s'est produit avec les élections présidentielles de décembre 2016. En Gambie, les mois précédant les élections, deux membres de l'opposition sont morts alors qu'ils étaient détenus par les forces de sécurité gambiennes et au moins une trentaine ont été arrêtés et condamnés à des peines de prison. Divers groupes internationaux et autres organismes ont averti que ces élections présidentielles ne seraient ni libres ni équitables. Mais quelque chose avait changé pour la première fois dans le paysage politique du pays. Plusieurs groupes d'opposition se sont rassemblés pour soutenir un seul candidat, Adama Barrow, déterminé à renverser Yaya Jammeh. Ce nouveau front d'opposition uni représentait la plus grande menace pour Yaya Jammeh au cours de ses 22 années de pouvoir. Au moment des élections, Internet a été coupé. Les appels internationaux ont été bloqués, ajoutant au climat politique déjà tendu. Au final, Adama Barrow a été déclaré vainqueur avec 46% des voix et Yaya Jammeh est arrivé en deuxième position avec 37% des voix. Ce qui a vraiment surpris les gens, c'est qu'à l'annonce des résultats, Yaya Jammeh a sereinement accepté les résultats des élections sans contestation. Mais c'était trop beau pour être vrai. L'acceptation des résultats pour Yaya Jammeh n'a pas duré très longtemps. Moins d'une semaine après la publication des résultats par la commission électorale, il a révisé les résultats en raison d'une erreur qu'il avait trouvée et corrigée. Adama Barrow avait toujours le plus de voix, mais sa marge de victoire avait été réduite à 43% des voix contre Yaya Jammeh. Yaya Jammeh a ensuite résisté les résultats et a appelé à de nouvelles élections. Ce qui a suivi en Gambie après ce revirement de Yaya Jammeh était une impasse qui a duré un mois, avec Yaya Jammeh déterminé à conserver le pouvoir. Ce n'est qu'après la pression d'autres chefs d'État d'Afrique de l'Ouest que Yaya Jammeh a finalement cédé et a quitté le pays pour l'exil. Des années après cet épisode de la vie de Yaya Jammeh en Gambie, il s'avère toutefois qu'il a encore un rôle à jouer dans la politique gambienne. En 2021, le président Adama Barrow et Yaya Jammeh auraient uni leurs forces aux élections de décembre 2021 en Gambie. C'est la fin de notre vidéo et merci à la prochaine. Abomey, au cœur du Bénin, est une ville où résonne l'écho des légendaires rois du Dahomey. Ancienne capitale d'un royaume puissant, elle se lie par ses palais royaux, ornés de bas-reliefs fascinants et ses histoires captivantes de batailles épiques et de rituels mystiques. Les rues vibrent encore de la grandeur passée, offrant aux visiteurs un voyage dans le temps, à travers une architecture impressionnante et une culture richement préservée. Abomey, cette ville emblématique du Bénin, incarne l'héritage majestueux du royaume du Dahomey avec ses palais imposants et ses récits glorieux. C'est dans ce terreau, riche d'histoire et de culture, que Patrice Talon, l'homme d'affaires devenu président, puise une partie de son inspiration. Ayant fait fortune dans la filière d'intrants agricoles dans les années 1980, puis de l'égrenage du coton
au Bénin au cours des années 1990 et 2001. L'homme le plus riche du Bénin, c'est peu dire que Patrice Talon est vraiment puissant. Patrice Talon, président de la République du Bénin depuis 2016, est un personnage aux multiples facettes. Homme d'affaires avisé, il a su transformer sa réussite entrepreneuriale en une carrière politique fructueuse. Son parcours atypique et ses convictions fortes en matière de développement économique font de lui un leader incontournable sur la scène africaine. À présent, voici son histoire. Issu en ligne patrilinéaire d'une famille de trafiquants d'esclaves français, Patrice Talon est né d'un père cheminot natif de Ouida et d'une mère issue de la famille Guedebbe d'Abomey. Patrice Talon est marié à Claudine Mbenagnon, née à Porto Novo, avec qui il a eu deux enfants du nom de Lionel et Karen Talon. Après un baccalauréat, série C obtenue à Dakar, la capitale sénégalaise, il entre à la faculté des sciences de l'université de Dakar. En deuxième année de maths physique, Patrice Talon, qui depuis l'enfance est obsédé par les avions, réussit au concours de pilote des lignes d'air Afrique et est envoyé à la base aérienne de Digne, en France, pour la visite médicale. Il est toutefois décalé pour inaptitude moteur. Il s'installe alors à Paris, où ses aptitudes dans les affaires qu'il pratiquait depuis le collège avec des petits trafics de pièces détachées au Nigeria lui ouvrent très rapidement les bonnes portes. Il entre en 1983 dans l'activité de négoce des emballages et des intrants agricoles. Il crée en 1985 la société de distribution intercontinentale, SDI, qui fournit des intrants agricoles aux producteurs de coton. En 1990, à la suite des recommandations de la Banque mondiale dans le cadre de l'accord de libéralisation économique mis en place dans les États ouest africains, le Bénin était appelé à se désengager de la filière de production de coton. Patrice Talon gagne alors le marché d'implantation de trois usines d'égrenage de coton au Bénin. Il devient ainsi un acteur incontournable du coton béninois malgré l'installation progressive de plusieurs concurrents privés, mais nettement moins organisés. Depuis 1985, Patrice Talon a mis en place progressivement un tissu industriel d'envergure sous la coupole de la holding SFP, Société de financement et de participation basée au Bénin. Le premier client de la première société de Patrice Talon fut la société sucrière de Savé, contrôlée par le gouvernement communiste de l'époque. Depuis lors, l'homme d'affaires a vu son business indirectement lié avec l'État béninois, conséquence de l'envergure des filières où ses activités sont déployées. En 1990, le président Nicéphore Soglo libéralise la filière coton, ce qui permet à Patrice Talon de se faire une place dans le secteur. La prospérité de ces usines attire très tôt les convoitises et de nouveaux opérateurs économiques, souvent encouragés par le président Mathieu Kérékou, obtiennent à leur tour des licences d'installation. La filière coton devient très vite pléthorique et très mal organisée sous Kérékou. Cependant, de très bons cours du coton génèrent des profits colossaux en 2004, mais leur effondrement brutal l'année suivante provoque la quasi-faillite de la plupart des opérateurs du secteur. Contraints de fermer, l'opérateur Fagbohum cède son usine à Patrice Talon. Et Mathieu Adjovi cède à son tour Ibeko. Pendant ce temps, les entreprises de Patrice Talon, qui ont passé des provisions au temps des vaches maigres, continuent à survivre. Elles rachètent leurs concurrents et s'étendent à d'autres secteurs. Patrice Talon crée la société Atral pour éviter de passer par de longues chaînes d'intermédiaires nécessaires aux procédures d'import et export.
Un port sec est créé à Alada pour faciliter l'empotage des balles de coton. Une autre de ses usines, Hydrochem, est opérationnelle pour la fourniture accélérée d'engrais chimiques. Une énième société dénommée SHB réutilise les graines résultant de l'égrenage du coton pour en faire de l'huile végétale. En 2008, Patrice Talon obtient auprès du gouvernement de son ami Boni Yayi le rachat des 10 usines d'égrenage encore sous contrôle étatique, ce qui fait du groupe Talon de facto un quasi-monopole de la filière coton avec 15 usines sur 18 au total. En 2011, indépendamment à la filière coton, Patrice Talon obtient du gouvernement le juteux marché du programme de vérification des importations, PVI. Mais à peine les activités du PVI démarrées, les relations se brouillent entre l'homme d'affaires et le président Yayi Boni. Ce dernier l'accuse soudainement de mauvaise gestion, non seulement dans le PVI, mais dans toutes ses affaires, alors même que Patrice Talon est le soutien financier du président. Le PVI est brutalement retiré sans dédommagement à Patrice Talon. La Sodeco est réquisitionnée par l'État et il est reproché à Patrice Talon d'avoir fraudé sur les subventions d'engrais de la campagne 2011. Les démêlés s'accumulent et à la suite de fuite l'informant d'un projet d'enlèvement, Patrice Talon est contraint de s'enfuir et de se réfugier à Paris. Le président Yayi l'accuse alors d'avoir fomenté depuis son exil un coup d'État visant à l'empoisonner. Patrice Talon rétorque qu'il n'en est rien et qu'en réalité Yayi Boni cherche à lui nuire depuis qu'il a refusé de supporter sa tentative de réviser la constitution béninoise au fin d'obtenir un troisième mandat. Concitoyens, je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela, comme j'ai commencé à le faire depuis bientôt un an et demi, deux ans. Une affaire aux hypothèses à la limite du surréalisme qui a rythmé pendant plus d'une année la scène politique béninoise. Pour le parquet général de Paris, le dossier a péché par son caractère incomplet, les informations transmises par l'État béninois n'ayant pas levé un doute sur le caractère équitable d'un éventuel procès du richissime homme d'affaires au Bénin. Le 23 octobre dernier, lors de la précédente audience, le parquet avait fait observer que le mandat d'arrêt visant Patrice Talon avait été maintenu en raison d'un appel interjeté par le parquet béninois, là où le juge d'instruction Angelo Houssou avait ordonné sa levée dans sa décision de non-lieu. On peut dire que les juges... En 2015, l'affaire est classée. Il peut rentrer au Bénin et se lancer en politique avec des idées telles que le mandat présidentiel unique et la consolidation de la République et le surnom du compétiteur né. Mais la bonne preuve que je suis là parmi vous. Je suis bien venu chez moi, vous voyez bien, sain et sauf. Il ne reste qu'à remercier mes concitoyens et surtout rendre grâce au ciel de m'accorder cette grâce de retrouver la terre de mes ancêtres, ce pays que j'aime tant. Et vous savez, je peux vous avouer que aller au charbon, et vaincre la fatalité avec mes concitoyens est désormais mon défi ultime. Candidat à l'élection présidentielle de 2016, il se présente comme candidat de la rupture et de la justice indépendante. Il annonce ne briguer qu'un seul mandat de 5 ans. Il souhaite inscrire cette limitation dans la Constitution. Au premier tour, il arrive en seconde position juste derrière le premier ministre sortant, Lionel Zinsou. Le soir du 20 mars, grâce notamment au soutien de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, arrivé troisième au premier tour, Patrice Talon remporte le second tour de la présidentielle, 65,37% contre 34,63%. Lionel Zinsou ayant reconnu sa défaite. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République. Patrice Talon prend ses fonctions le 6 avril suivant et succède à Thomas Yayi Boni. Le 27 mars 2017, son ministre de la Défense, Candide Azané, démissionne pour protester contre un projet de réforme constitutionnelle qui limite entre autres le mandat présidentiel à un seul mandat de 7 ans et qui est contesté par le personnel judiciaire qui craint de perdre son indépendance. Le 4 avril,
le Parlement refuse d'examiner le texte puis le rejette le lendemain 5 avril avec 60 voix pour, 22 contre et 1 neutre. Le 6 juillet 2018, il présente un nouveau projet qui propose d'organiser les élections présidentielles et législatives le même jour, abolit la peine de mort et améliore la représentativité féminine. Il est de nouveau rejeté par 62 voix pour, 19 contre et une abstention, alors qu'il aurait fallu un minimum de 66 voix pour. En janvier 2019, en prévision des élections législatives béninoises de 2019, sont créés l'Union progressiste et le Bloc républicain pour soutenir l'action du président. Il prend le contrôle de la Cour constitutionnelle dont il nomme les membres. Elle est désormais présidée par son ex-ministre et ancien avocat personnel. Décrit comme conservateur, il ne nomme que 4 femmes sur 22 ministres et à la suite des élections législatives d'avril 2019, les femmes restent très minoritaires parmi les députés. Selon le journaliste et enseignant Francis Nkapatindé, la politique de Patrice Talon se traduit par un recul des droits humains et les droits de grève. Le 23 décembre 2023, Patrice Talon annonce quitter le pouvoir en 2026 après la présidentielle. Les élections législatives de 2019 ne voient concourir que 2 listes, toutes 2 favorables à Patrice Talon. Les partis d'opposition n'ont pas pu se présenter du fait d'évolution du code électoral. Le 29 mars, la Cour africaine des droits de l'homme réunie à Arusha, en Tanzanie, dénonce des dérives éloignant le pays de l'état des droits. Jean-Baptiste Elias, dirigeant du Front des organisations nationales contre la corruption, affirme en avril 2019 que la démocratie risque de tourner en dictature au Bénin. À l'approche du scrutin, l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi, lui demande de suspendre la tenue des élections du fait de la non-représentation de l'opposition et des dérives autoritaires que véhicule le processus électoral. Le taux de participation chute à 23% contre près de 75% en 2015. Il s'agit du taux de participation le plus faible de l'histoire du pays. Les élections sont marquées par des appels au boycott et des violences les jours suivants. À l'approche de la présidentielle de 2021, le président sortant est théoriquement le seul à pouvoir présenter sa candidature. Une révision constitutionnelle votée à l'unanimité du nouveau Parlement en novembre 2019 impose en effet aux candidats d'obtenir les parrainages d'au moins 10% du total des députés et des maires. Or, les 160 élus concernés, 83 députés et 77 maires appartiennent quasiment tous à la majorité présidentielle. Seuls 6 maires membres des forces Kori pour un Bénin émergent font ainsi partie de l'opposition qui n'a aucun député. Talon promet en retour de tout faire pour organiser un scrutin inclusif, ouvert à ses opposants, en leur obtenant leur parrainage. Cette main tendue est cependant jugée par l'opposition comme une manière pour le pouvoir de choisir ses propres adversaires à son avantage. Le FCBE, ainsi que le parti Les Démocrates LD, créé entre-temps par des soutiens de l'ancien président Boni Yayi, redoute ainsi la désignation en leur sein de cheval de Troie par le président sortant. La Cour constitutionnelle confirme les résultats de la présidentielle le 15 avril 2021. Patrice Talon est réélu président de la République du Bénin au premier tour de l'élection présidentielle. Il prête serment le 23 mai 2021 pour un second mandat présidentiel. Alors que la justice est instrumentalisée par le pouvoir exécutif, plusieurs figures de l'opposition sont condamnées en décembre 2021 à de lourdes peines de prison. L'ex-garde des Sceaux, Lekia Madougou, est condamné à 20 ans de prison pour terrorisme et le professeur de droit, Joël Aïvo, à 10 ans pour blanchiment des capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. En 2018, Sébastien Ajavon, opposant arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2016, avait été condamné à 25 ans de prison pour trafic de drogue et usage de faux et escroquerie. En mars 2022, Patrice Talon est désigné le nouveau président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine IOMOA au terme d'un double sommet CEDEAO-IOMOA. C'est la fin de notre vidéo, merci et à la prochaine.